Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Medieval Dynasty. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super comme d'habitude. Avant de commencer, vous connaissez, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. C'est toujours un soutien, ça fait plaisir. Et ça nous permettra d'être toujours bien, bien, bien au niveau de tout ce qu'on a à faire. Regardez, je récupère du bâton. Encore une fois, je taffe tout ça. Et avant de pouvoir tout isoler, tout ça, ça va être dans mon stock. Donc là, le but, c'est de blinder mon entrepôt. Là, tu vois, je commence juste à ramasser un peu plus de pierre. Parce qu'il me faut de la pierre, tout simplement, pour isoler tous les bâtiments. Bâton. Il me faut ça pour les bâtons. Parce que là, si on veut commencer à faire certaines choses, il nous faut mettre de côté déjà 100 de bois pour être vraiment tranquille. Ah, yes, c'est un érable. Oh, j'en ai... Je commence à avoir des érables ici. Oh, let's go. Là, ça va aller vite, les gars. Ok, let's go. Il y en a un autre là. Ah bah j'ai assez pour faire une quête. Il faut 15 de calcaire pour faire une quête. On va aller la faire. Hein. On va aller la valider ensemble. Regardez les rondins que ça m'a fait. Ça m'a fait 5 rondins pour un seul arbre. Là, du coup, je suis passé à 7 rondins. Ok, j'essaie d'en trouver d'autres. Des érables. Oh là! Putain, faut que je me barre vite. Ça charge bien en plus ces trucs-là. J'ai oublié qu'il y avait une zone à cochon ici. You. You. Il est là. Hop là. Il va falloir que je me le fasse parce que sinon il va me faire chier tout le long. Il est là. Il se barre encore. Je le vois, il est là. Ok. Magnifique. Et un coup de hache et c'est bon. Je sais que je suis en train de me faire rush. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller me coucher parce que j'arrive pas à le voir, il fait nuit. Donc on va aller se pioter dans notre lit. Et on va attendre le lendemain du coup pour aller faire la suite. Et comme ça on va récupérer la vie qui nous manque. Il y en a un qui fait la ronde la nuit. Qui surveille le village au cas où il y a un raid de contrebandier. On arrive bientôt en tout cas à la dernière transition pour arriver à l'hiver. J'ai pas de vêtements chauds malheureusement. Bon ça c'est pas très grave. Hein, mais ça va se faire mais bon. C'est un peu plus embêtant que quand on est normal. Donc, toc, 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 toc. Je vais faire un petit coup de gestion, par contre. Gestion, abri d'excavation. Pierre, vas-y, vas-y. Plains-moi ça. C'est dommage qu'ils ne mettent pas la demande qu'il y a en pierre. Abri d'excavation.
Excavation. Il m'en faudrait moins, il m'en faudrait 5 de minerai cuivre. Et 5 d'argile. 5 de calcaire, pareil. Paille, 20... 25%, 25 par jour, ce serait pas mal. Et tu me blindes en pierre. Pierre, tu m'en blindes un max. Il m'en faut une bonne vingtaine par jour. Parfait. Même argile, tu vois. Oh, si, c'est bien. Hop, on va pouvoir faire dodo. On va dormir. Hop, les doubles. Dormir. Let's go. Là, il va faire jour, on va pouvoir mieux travailler. Hop, c'est parti. Même pas le temps de parler à sa femme. Nous, on est là pour charbonner. Hop. Ouais, je veux vraiment qu'il me charbonne la pierre parce que comme ça, moi, on va pouvoir stocker un peu plus. Le but, c'est stocker et l'argile et tout. C'est des choses qu'on a moins besoin. Donc, un par jour, ça reste correct. Déjà, le sapin, je le veux. Tiens, j'en ai oublié un morceau, tu vois. Hop. Je vais couper ça. Ok, ça nous fait combien de rondins? Ça nous en fait 21. Encore une bonne dizaine, ça serait cool. Une bonne 80aine. Le but, c'est voilà, on va défoncer tous les érables qu'on voit. Il m'en faut de ces magnifiques arbres là. Regarde-moi cette branche. Voilà, magnifique! Il est là, ok. Bah alors? Tu fais moins le malin, hein? Hier, tu faisais plus le malin. Là, il fait jour, je te vois. Il m'aura pas, ça fait 25 de viande. On va pas dire non. Mes flèches en cuivre, elles sont là. Un épicéa, c'est déjà bien. Ok. Il est là, ok. Tiens mon chat. Il est mort. Oh, let's go. Ah bah, ça devait être lui qu'on avait eu défoncé la veille. C'est lui qu'on a dû défoncer la veille. Let's go, magnifique. On récupère du cuir en plus, c'est cool. Oh, il y a de la pierre là, il y a de la pierre. Il me faut de la pierre, il me faut de la pierre. Donnez-moi de la pierre. J'en ai combien? 13. Bon, il me faut une bonne vingtaine. Si je veux faire toutes les maisons, bonne. J'ai compté. Bonne cinquantaine. Ouais, on va faire ça. Je vais peut-être en récolter encore une centaine pour pouvoir faire les murs. Ce serait bien de faire ça avant la fin de cet épisode. En vrai, là, il y a pas mal de pierres, donc ça devrait aller vite. La récolte de pierres. C'est les rondins, ça va être un peu long. Je pense que les rondins vont être un peu longs. Putain, il y a des rondins, là. J'ai laissé des rondins. Ok.
Ok, Pierre, Pierre, Pierre. Rondin. Rondin. Je suis à combien de rondins? 31. L'objectif, c'est de ne plus toucher aux réserves de rondins de notre village. Vraiment. Et que comme ça, au moins, on soit tranquille vis-à-vis de ça et que j'ai juste à me servir moi-même. Je m'en fous de couper, hein. J'ai juste envie que mon village il me laisse, il soit tranquille. Hop, hop, hop. Encore un autre érable. Là, j'ai trouvé la zone des érables. Il y en a plein là. Là, si ça continue comme ça, et si j'en ai une petite dizaine comme ça, c'est pas mal. Dizaine, ça fait 50, donc. Là, voilà, je suis en train de tout déforestationner. hop. Alors. Là, il y a toi aussi. Et il y a toi là. Normalement. Ouais, il y a toi. Voilà, souche. Donc là, déjà, on va être à déjà une bonne 60. J'ai récupéré une vingtaine de plumes là, déjà, tu vois. Là déjà on est à 43. J'en ai un autre arbre, voilà. 48. Ouais, ce serait cool qu'on soit 51. Encore un peu, encore un peu. On a fait la moitié des rondins déjà. Hop. Et dire que je dois en récupérer encore beaucoup après. Pour pouvoir faire les isolations de mes maisons. Hop. Par contre, j'en veux 100 dans le stock. Hein. C'est-à-dire que si y en a plus. Chi, vas-y. Je peux m'amuser à en mettre plus que 100. Si jamais il y en a déjà une trentaine dans notre réserve, ça sert à rien. Là, ça permet de récolter un peu pour tout ce qui va arriver après. Et là, plouf. Ouais, c'est bof les graphismes sur ça là. Oh, c'était quoi ça? Ah, par contre, là, c'est pas mal. Le bois il flotte et tout. La physique est respectée quand tu vois, quand tu regardes de plus près. Érable, 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 érable. Érable. Magnifique. De cuivre, on dirait que c'est une pète de compète. J'ai combien? 60? 65 de récupérer. Je vais regarder de l'autre côté. J'ai l'air d'avoir des bons arbres là, tu vois. Je vais aller voir à droite. À droite, il a l'air d'avoir des. Oh, lui, il est beau. Lui, il a 5 branches. Magnifique. Il est immense. J'ai coupé un arbre centenaire, ça se trouve. Rondin. 68. Un autre érable. Hop. Hop là. 71. On y arrive, on y arrive. Hop. 75, encore 25. Ça fait quelques érables. Là, du coup, ça fait 10. Encore 15, du coup. Il y a lui. Il est immense, celui-là. Là, si je réfléchis bien, après cela, c'est bon. J'ai choc. Quelques centimètres, c'était pour ma gueule.
Ok, 76. Non, mais c'est pas dit d'enlever la terre, bouffon. Ok, lui. Ok. Des fois, il pourrait faire proportionnellement à la taille quand même. T'as des rondins, mon gars, ils sont énormes. Je suis à combien de rondins là? Ah, il y a un problème. C'est quoi ces forges? Ouais, forges, j'ai plus l'air d'avoir de matos. C'est le seul endroit où il y a des problèmes. 4. Ouais. Ok. Ça fait ça, fait. Ça, c'est fait. Taille du rondin, toi. Ok, magnifique. Ok, incroyable. Et il y a encore un autre à aller chercher qui est tombé, qui était juste là. Ah non, là, ici. Du coup, ça va en faire 100. Hop, 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 hop. Ah, attends. Petite pelle. Oh, c'est 30% par 30%. Ça, c'est stylé, ça, par contre. Yeah! J'ai récupéré 6 d'argile et il y a de la pierre en dessous, en plus. Donc, je vais récupérer ça avec... avec plaisir. Et petite, petite cheat pour récupérer, pour récolter. Prenez un... une pelle entre vos mains, vous allez voir, ça va aller plus vite. C'est vrai que j'avais le truc d'argile juste à côté. Argile, ça m'en fait 15. Tout ça, je vais pouvoir les déposer dans le stock. Il y a une... ah oui, c'est à fin. Viande grillée. Et tu en as juste allé là. Une petite pierre. Une petite pierre par là. Et de l'eau. Tu bois. Magnifique. Et maintenant, on va pouvoir... ah, une pierre. Une pierre, une pierre, une pierre. J'ai 215... ah, j'ai 44 pierres quand même. Hein. Je dois récupérer pas mal. Et en plus, j'ai réfléchi, mais il me faut juste deux. À chaque fois. Surtout que j'ai déjà fait ma maison en pierre. 8 maintenant, il y a des problèmes de quoi là encore. Ah, c'est 8 trucs que la personne ne peut pas faire, peut-être. C'était de ça, je crois. Un, deux, trois, du coup, qu'elle ne peut pas faire. Et toi, du coup, atelier, ça fait 1, aucune affectation, forge, ça fait 1, 2, 3. Ressources manquantes, tu vois, il manque des ressources. Hein, il manque des trucs là. Et du coup, ça fait combien de... une ou harpon et tout, ça fait un par jour. C'est l'arc que je voulais que monter. Arc. Arc, 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 c'est quoi, c'est... forge. Pour en faire moins... ça fait un par jour. Il faut un fil de lin et un rondin. Ouais, flemme. Donc des ressources. Flèche en pierre. Il faut quoi? Des plumes, des maillets, des bâtons. Et en bois, tu vas t'en faire plein, mon poteau. Vu que c'est ta production principale. Et hache, pareil. Couteau, pareil. Même s'il y a une sacrée réserve, vaut mieux. Vaut mieux, vaut mieux. On préfère.
Et c'est parti. Je vais pouvoir poser tout. Tout le bois dans dans le stock. Ah, ça va remplir tellement salement le stock, ça va être aberrant. Alors. Tiens d'ailleurs, toi, hop. Faut que je la batte, ce truc-là. Viande. Non, bah c'est viande. Je récupère beaucoup de viande, moi, beaucoup plus que la personne qui est censée le faire. On est dans l'entrepôt des ressources. Ah merde, j'ai mis ça dans. Je suis trop con. Toc, 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 toc. Des sacs si jamais j'en mets là. Rondin, 100. Let's go. C'est bon, hein, on est plutôt bien. Seau, encore 3 que je vais mettre ici. Et puis en pierre. Là, on est pas mal. Normalement, c'est bon. T'es content. Je t'ai mis de la pierre, je t'ai mis tout. C'est quoi qui manque comme ressources pour. Ah, des bâtons. Mais oui. Mais oui, des bâtons. J'en ai pas mis. Et les bâtons, à mon avis, ça met du temps à arriver, ça. Rondin 109. Ah, bah attends, je vais en prendre 9. Rondin 109. Plume, j'en ai plein aussi. Si jamais. Hop. Pierre, j'en ai 108. J'étais pas à 120 à la base. Ou 115, je sais plus. Minerai d'étain. Minerai de cuivre. Entrepôt de ressources. On va mettre cette nourriture. Paille. Du coup, il faut. Ouais, on va mettre tous les maillets en bois. Dispo. Et lui. Toc 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 toc. Rondin, sac, torche, viande, arc, argile, je vais mettre avoine, blé, botte, calcaire, j'en ai besoin, et bâton. Bâton, j'ai pas besoin donc hop. Normalement, on va être pas mal. Maintenant. On va désisoler. Ok. Ok. Éditer. Mur porte. Mur porte pierre. Éditer. Mur. Mur pierre. Éditer. Mur. Mur pierre. Éditer. Éditer. Mur. Mur, pierre. Éditer. Mur, pierre. Éditer. Mur, pierre. Ah, j'ai plus assez de pierre. Et je peux faire éditer aussi. Et là, on peut mettre un mur en bois. Est-ce que là, non, dans tous les cas, c'est deux rondins. Ok, donc là maintenant on va devoir récupérer du rondin. On peut les enlever ces arbres-là. Hein. Ils nous cachent la vue. Toi, t'es au milieu du passage en plus.
Hop là. Je sais, vous êtes heureux, vous allez voir, vous allez avoir une belle maison. Il faut de la pierre aussi, du coup. Ok. Ok, magnifique. Il me faut de la pierre, de la pierre, de la pierre, de la pierre. Là, c'est vraiment l'épisode de la récolte de pierre. Attends, on va mettre. Problème, c'est que. Hop. Ça, c'est des gros cailloux, ça pourrait apporter beaucoup. Ce serait cool. Ok. Hop. Oh, un tonneau, des pommes. Hop, let's go. Je n'avais point vu ça. La pierre, la pierre, la pierre, la pierre, la pierre. Oh, pierre, 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 pierre. Plein de pierres. Pierre. Coup, il me faut de la pierre, il faut de la pierre, il faut de la pierre. Les rondins, j'ai ce qu'il faut normalement pour aller finir cette petite maison. Je sais, vous avez plus de maison, je sais. Ah, ça y est, tu veux, ils peuvent bosser maintenant. J'ai compris. Ah! Détruire. Hop. Pierre. Éditer. Pierre. Voilà. Placement vide. Toc. Placement vide. Toc. Vous allez être heureux, vous allez voir. Regarde, vous êtes déjà heureux. Si, si, 41%, tellement elle est heureuse. Elle est passée à 4. Elle est passée niveau 4 en tout ce qui est pêche et tout. Pas tout ce qui est récolte. C'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. J'ai 1792 de bois pour la demande. Par jour. Demande par jour, entre parenthèses, et le bois que j'ai, c'est 1792. En eau, j'ai beaucoup trop. Nourriture, pareil. J'ai une population de 8, donc 7 ouvriers, 17 bâtiments, petite ferme, taxe 138 et réputation de dynastie 793. Ce qui est très très bien. Maintenant, on a calculé, il faut quand même pas mal de ressources. Donc je vais m'en occuper. Je vais récupérer d'abord toutes les ressources qu'il me faut pour améliorer les maisons. Donc du bois, du bois, du bois, toujours du bois. Ça va éviter qu'ils aient froid et au moins ils ont un bon confort de vie. Et c'est plus solide surtout, en cas d'attaque. Éviter de détruire trop proche. Déjà au moins on a fait une maison. C'est lourd. Sachant qu'il y en a 4. Il y en a combien? Gestion. J'en ai... Ouais, il m'en reste plus que 3 à faire.
qu'une bonne... Il me faut du bois. Il me faut du bois. Ça, c'est sûr. Il m'en faut beaucoup. Il me faut du bois, ça, c'est sûr. Ah, c'est un érable, ça. Il va être bien. Hop là, magnifique. J'ai calculé, il me faut... Si je me trompe pas, un de chaque, t'as 1, 6, il me faut 8. Il me faut 8 de rondins par maison. Donc si je calcule bien, il m'en faut 16, il m'en faut 24. Il me faut 24 rondins pour faire des maisons. Et pour la pierre, j'ai vu 6 par truc, donc... 6 par truc, ça va faire beaucoup. 6, ouais, c'est presque une centaine qu'il m'en faut. De pierre. Hein? Quoi? C'est passé quoi? Ah, il y a deux arbres l'un à côté de l'autre. Ouais, barbaro, ça c'est du beau. Voilà, il y a du bois. Hein. Voilà, j'ai jamais eu autant de bois. T'inquiète même pas que là je suis tranquille pendant un petit moment et j'ai dit 24. C'est exactement ce que je vais avoir du coup à la fin. Il n'y en a pas d'autres? Non, c'est bon. Ok, magnifique. Et ok, magnifique. Parfait. Après cela, du coup, on va récupérer de la pierre. La pierre, j'en ai là. Pierre là. Hop. J'ai combien? J'ai 14 pierres. Je pense là on peut se baser, c'est pareil que la dernière fois, une bonne centaine de pierres. Une bonne centaine de pierres à ramasser, donc il y a 100 clics à faire. Ok. De la pierre, de la pierre, de la pierre. Hop. Faut de la pierre. On est déjà une bonne trentaine déjà. C'est déjà pas mal. Des pierres, il y en a là. Ça en fait deux d'un coup. Encore là. Là, y a un bon filon de pierre. Là, il y a un très très bon filon de pierre. Là, ça va très très vite. Après, si on a un peu trop, si on en récolte un peu trop, vaut mieux trop que pas assez hein, d'un côté. Parce que j'ai pas calculé le nombre exact. Ça se trouve, je me suis craqué en plus dans mon calcul des maisons. J'ai estimé qu'il y en avait 8 parce qu'il y avait 6 côtés plus les côtés, les trucs en haut là. Donc, normalement, c'est ça. Hein. Après, je me suis peut-être craqué. Je l'espère pas. Parce qu'après, c'est-à-dire beaucoup de ressources encore à récupérer. Là, il y a de la pierre là. Là, je pense qu'on a de la pierre pendant un petit moment. Et de la bouffe. Au niveau de la bouffe, en plus, on est large. Le fait de tuer des ours, en fait, ça te met bien. T'as de la bouffe pendant un bon moment. T'es bien tranquille. ...64 de pierre. Putain, il y a encore un ours. Il y a encore deux ours là-bas. Et il y a des ours partout dans cet endroit-là. Je me suis mis vraiment au pire endroit. Ouais, il m'attaque pas. M'attaquez pas, j'ai pas les ours. En plus, 2 contre 1, ça fait beaucoup, là. Je veux bien ça, je veux bien être gentil 5 minutes, mais là. Ah, j'ai des roseaux ici. Je savais même pas qu'il y avait des roseaux là. C'est beaucoup trop bien. Encore de la pierre, de la pierre. 79 de pierre, c'est plutôt cool. Encore une petite dizaine, une petite vingtaine, allez, même pas. Ok, ok. Ok.
Ok, magnifique, magnifique. On arrive sur la fin. Et je vais pouvoir enfin faire mes maisons. Je vais têche mes habitants de leur maison alors qu'ils sont en train de dormir. C'est tellement méchant. Bon. C'est pour leur bien. S'ils veulent être bien isolés, en plus, bientôt il y aura du calcaire. D'ailleurs, faut que j'aille livrer mon calcaire. Il me faut 9 pierres pour faire la quête après. Je vais récupérer encore 9 pierres. Tout simplement pour faire la quête, après la valider, avant la fin de la vidéo. Hop. Hop. Il me reste combien? 3 pierres. Une pierre là. Deux pierres. Il y en a une là. J'ai tellement fait toutes les pierres du quartier qu'il n'y a plus aucune seule pierre. Toc. Oh si, il y en a partout, mais pas au bon endroit. Alors. Du coup, oh, il est beau celui-là. Ce qu'on va faire, c'est que la maison qui est là, on va la détruire. Détruire. Allez, casse-toi. Lève-toi. Oust. Ça va, tu vis seul. Pousse-toi. Et c'est moi le chef ici, ok? Ok. C'est un mur en pierre. C'est un mur en pierre. J'ai bien fait parce que tu vois, c'est 8. Ok. Ok. Fenêtre, fenêtre en pierre. Porte, porte en pierre. Ah ouais, tu vois, ça m'a utilisé la moitié. Hein. Vache. Ah mais il y a deux murs aussi ici. Ah ouais, non, ça va être long en fait. Ça c'est quoi? C'est pas une maison. Ça c'est une maison par contre. Petite maison. Ok. Ok, détruire. Là, ils sont deux à l'intérieur. Ok. Hop, éditer, mur, pierre. Éditer, mur, pierre. Éditer, pierre. Porte, pierre. Fenêtre, pierre. Mur, pierre. Mur, pierre. Mur. Pierre et fenêtre. Ok. Il me faut juste un rondin. Non. Il me faut juste de la pierre en fait. Il me faut de la pierre. Vite, 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 vite. Il me faut de la pierre parce qu'ils sont pas contents. Une bonne dizaine de pierres. Tu vois, en fait, c'est 50. Il m'en faut 50 par maison, pour te dire. Et pourtant, c'est une petite maison. C'est impressionnant. Allez, 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 prends, 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 prends. Ça me stresse un petit peu le fait qu'ils soient dehors là. Ils vont gueuler, ils vont pas être contents. Surtout qu'ils ont déjà, ils sont déjà dans le négatif là. C'est pareil qu'ils, je parie qu'ils sont surtout déjà dans le négatif. Donc, prochaine maison, je récolterai 50 de pierres. Ah, j'ai pris un niveau de survie. Let's go. Je récolte en même temps depuis tout à l'heure. Si je suis pas un survivant avec tout ça.
Il y a un problème. Alors. Et mes propres ressources, je les mettrai dans mon coffre de maison. Hop, là, il y a de la pierre, là, il y a de la pierre, il y a de la pierre, là, de la pierre. Alors, la maison. On en était. Il manque bien et bien un rondin. Il manque deux rondins. Ok. Viens là, toi. Et du coup, je me suis craqué et je pensais qu'il y avait besoin que de 1, mais en fait, il y a besoin de 12 rondins par maison. À peu près. Même plus 29. De 14 rondins par maison. Non, de 26. 26, 26. Donc 13 rondins par maison. 13, 13, 13. Et là, du coup, je vais te finir ta maison, mon petit. Marteau. Regarde ça. Alors. Gestion. Habitation. Toc. Alors, c'est qui est avec qui? Alors lui, ça fait plus longtemps, donc Rudolf avec... Voilà. Et... Ah oui, c'est parce que... Ok. Avec... C'est qui est dedans? Je peux pas savoir. Ok, t'as déménagé juste d'une maison à une autre. Et l'autre, on va l'appliquer. Sulimir avec ah, c'est pas cette maison-là que j'ai fait. C'est là que je vais finir par faire. C'est celle d'à côté. Rudolf avec Ubislava. Et du coup maintenant si je regarde en côté gestion ça remonte. Ils ont même 13% d'humeur maintenant Albert, Bertha et tout. Tellement ils sont heureux. J'ai regardé à combien de pourcentage, attendez. C'est intéressant. Ça se trouve au bout de quelques saisons, ça va arriver. Ok, pas de soucis. Là ce qu'on va faire du coup. J'aimerais bien faire après modifier mon toit et mettre un toit en tuile en bois. Ça sera plus tard. Déjà, je l'ai même pas fait sur ma maison à moi, je crois. Non, je n'ai pas dû le faire, donc je le ferai sûrement, mais après. Pour le coup, on va pouvoir faire les murs de l'autre là-bas. C'est peut-être même elle que je vais faire en premier. On fera au prochain épisode. Non, on fera ça au prochain épisode. Donc voilà, on peaufine un petit peu avant l'hiver. J'ai envie que mes maisons soient bien isolées. Donc ça serait cool. Ça serait cool si on pouvait y arriver. Et je vais regarder si on a aussi du calcaire pour bien isoler les murs. Et que tout soit correct pour tout le monde. Est-ce que j'ai ça? C'est. Normalement, il en récupère, donc ouais, il en récupère pas mal en plus. Là, vu que j'allais me coucher, je vais pouvoir mettre mon mur, je vais enduire de calcaire. Et ça va permettre de l'isoler un peu plus. Et je vais continuer à récolter de la pierre un peu partout afin de récupérer du calcaire par la même occasion. Afin que mes maisons soient bien isolées et à la fin, je finirai par prendre du bois pour le toit. Le bois pour le toit, ça va être important. Surtout que j'ai oublié de faire ça aussi. De mettre sur le côté et de mettre sur le teco aussi ici. Ça c'est pas grave. Hop. Par exemple, j'ai envie de mettre isolé. Il me faut 6 de calcaire. Parfait.
Ah, entrepôt de ressources 2. Ça fait quoi un entrepôt de ressources 2? Attendez, attendez. Bâtiment, habitation, survie. Entrepôt. Ok, donc ça, le mieux, ce serait que... Le mieux, ce serait que au prochain épisode, vu que j'ai l'entrepôt, je le mette en place. Avant de détruire l'autre. Si à l'autre, je vais récupérer toutes les ressources, je vais les transférer après. Donc celui-là, ce serait bien de le détruire. Et si je le détruis, ça fait quoi? Parce que ça, tu vois, juste... Je pense qu'il faut d'abord tout enlever avant. On verra ça au prochain épisode de Pierre. Merci les gars d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, à bientôt.